Hello mes papillons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 26 mai, il est un peu plus de 17h et je commence ce puzzle donc de ma Bozole hein, qui est la box des puzzlers. C'est la première fois que je commande une box et là, ça m'a fait craquer. Je vous remets le lien vers la vidéo de présentation de la box si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Et je voulais démarrer le puzzle avec vous. Donc j'ai prévu mon dessous de verre, de tasse, des fois que j'aurai soif. J'ai le petit scan pour la playlist que je vais écouter. Là le puzzle est là bien emballé et j'ai aussi mes petites corbeilles que je vais mettre comme ça. Voilà, je prépare. Donc vous avez deux façons de les mettre. Soit vous les mettez dans ce format-là, soit vous pouvez les mettre, je vais vous montrer comme ça. Alors, quand vous les mettez comme ça, c'est plus quand vous souhaitez fermer, mettre des pièces dedans et fermer. Moi, je préfère comme ça puisque je vais trier. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. J'assemble avec vous. Je les trouve très pratiques ceux-là. Alors, il y en a qui vont dire oui, non, non, non. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, je ne sais pas vous, comment vous y prenez quand vous faites vos puzzles, mais moi, je commence toujours par le bord. Donc là, la première chose que je vais faire, une fois que je vais ouvrir... Une fois que j'aurai ouvert le plastique, ça va être de trier et de... Voilà, et de faire les trucs. Allez, désolée pour le plastique. Vous savez, j'en ai toujours un dans les vidéos, forcément. Qualité, elle est au rendez-vous. Regardez l'épaisseur. Regardez l'épaisseur. On est sur une bonne épaisseur. Bon, ça sent un peu le... Il y a une odeur. Alors, une odeur, je... Oui, de carton. Mais c'est une odeur qui est comme ça dans toute la... Dans toute la box. Ceux-là, vous voyez, déjà prêt. On va les laisser de côté. Et du coup, ben voilà, je vais m'amuser à trier. Donc je vous reprends après, une fois que j'ai trié, une fois que le tour est fait. À toutes. Allez, je vous montre. Voilà. Le contour est fait. Donc il ne reste plus qu'à continuer. J'ai déjà commencé, j'ai trouvé quelques petites pièces en trio qui vont très bien. Et là, j'ai trié pour prendre tout ce qui était fenêtre, hein, qui vont aller là. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Coucou les papillons. On se retrouve, on est le samedi 11 juin. Et on se fait un petit update de l'avancée de ce puzzle. Ça fait plus d'une semaine que j'y ai pas touché. Autant vous dire qu'il me manquait grandement. Puis j'aimerais bien le terminer aussi. Donc, on est... Voilà, je vous fais une petite balade. Voilà. Il y a des... On a des petites allusions à des films. C'est... J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, si jamais... alors, je vous diminue. Là, par exemple, on a le Budapest Hotel. Qu'est-ce qu'on avait trouvé avec Enzo? Là, on a le SOS Phantom. On a la petite coccinelle. Bon, là, c'est encore à voir. Ce que je vous avais dit, hein, le Fast and Furious 27. Bon, à mon avis, on n'y arrivera pas jusque-là, hein, mais... là, si vous allez un peu plus haut, vous avez la panthère. Là, comment il s'appelle
Ben voilà, j'ai un trou de mémoire. Bon, je ne m'en souviens plus. Je l'ai sur le bout de ma langue, mais il ne veut pas sortir. Là, on a Retour vers le futur. On a plein d'allusions à des films, à des dessins animés. Là, les Teletubbies. On a Pocahontas. C'est un truc de fou. Franchement, honnêtement, qu'est-ce que j'avais vu aussi? Donc là, on a le avatar qui est mélangé avec la, avec le. Non, je ne sais pas si jamais vous allez voir. Je vais peut-être les allonger comme ça. Avec le chapeau des Schtroumpfs. On a aussi tout ce qui est attrait au Moulin Rouge. Là, je sais qu'il y a encore quelques petites choses, mais j'ai pas encore fini. Là aussi. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Bah oui, on a les mignons. On a Scooby-Doo, enfin, la Mystery Machine. Il y a plein de petites allusions comme ça et c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Là, on a Tintin. alors là, d'après ce que mon fils me disait, c'est un méchant d'un truc, le gardien de la galaxie ou quelque chose comme ça. Ne me demandez pas le nom, je ne m'en souviendrai pas. Là, voilà. C'est vraiment. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir. Et là, je vous dis, hein, je ne l'avais pas fait pendant une semaine. Et là, je me dis qu'il est temps. Il est temps de le refaire. Au niveau des pièces manquantes, donc quand je range mon puzzle, je mets les pièces dans un sachet que je vais remettre à plat là-dessus pour pouvoir chercher hein, mes pièces. Là, il y a quelques-unes qui sont en attente de trouver leur emplacement, mais ça ne serait tardé puisque ah, lui il est parti. Parce que je sais que lui, il va là. Voilà. Les autres, j'ai pas encore forcément trouvé, mais en fonction avec le. Alors, est-ce que. Ah oui, il y a un endroit qui me fait rigoler dessus. Je vais vous montrer. Regardez. Bah, là, vous voyez le clown. Enfin, bah, voilà, cette partie du clown. Je sais aussi qu'elle ira pas très loin de la fontaine. Et il y a un endroit. J'ai hâte de le faire pour. Voilà. Regardez-moi ça. Là, le Teddy l'ours. Et là, Winnie l'ourson en train de se. Voilà, en train de fumer. On dira pas ce qu'il fume, hein, mais en train de fumer quand même. Je trouve ça, il y a vraiment des allusions au film qui sont vraiment. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, on a le trident, donc je suppose. Le roi de la mer, c'est Poséidon, je pense, si je ne me trompe pas. Et il y a plein d'allusions comme ça, mais là, on est sur les Transformers. C'est top. C'est top. Je prends vraiment plaisir à le faire. Il me reste vraiment plus beaucoup. Donc je pense que ce week-end, ça sera fini. Mais je voulais vous faire un petit point sur, voilà, sur ce Pulse. En fait, je prends mon temps à le faire. J'apprécie de le faire et j'ai pas envie de le terminer. Je pense que c'est pour ça en fait qu'il est si. Parce qu'habituellement, bon, au bout d'une semaine, bon là, j'ai malheureusement. Week-end, enfin, pas malheureusement, j'ai passé un week-end en famille, la semaine a été compliquée, donc je le reprends là maintenant. Mais c'est un vrai plaisir de le retrouver. C'est vraiment très très agréable. Donc bon, je voulais vous faire un petit update, vous faire voir où j'en étais et bah, on se retrouve plus tard pour l'avancer. Allez, à plus! Allez, on se retrouve. Il nous reste plus que cette partie-là à faire. Je vais la faire avec vous. Il reste vraiment, vraiment plus beaucoup à mettre. Comme vous pouvez voir, voilà. Donc, il y a vraiment, mais vraiment plus grand-chose. Donc, honnêtement, on va se le faire ensemble. Et. Comme ça, vous verrez, mais il y a vraiment. Vous voyez, je pense que ça va se placer tout seul en fait. Hein. Quoi que je dis ça, et la première chose que je fais, c'est de pas mettre les choses au bon endroit. Vous voyez, là, il y a un problème dans le. Dans les, dans, voilà, je pensais que c'était bien mis, tout compte fait, ça ne l'est pas. Puisque.
Voilà, en toute logique, cette partie, donc lui, il vient là. Et voilà. Donc, il doit y avoir un petit chicoucoui dans le cacahuète. Je pense, voilà, en fait, elle a trouvé sa place toute seule. Nickel. Et oui, ça m'arrive encore de faire des petites erreurs. C'est comme, après, c'est comme ça qu'on apprend, hein, de toute façon. Voilà. Hein. Là, lui, il va aller là. Lui, il va aller là. Comme je vous dis, on est vraiment sur la fin. On ne peut pas être plus à la fin que ça. Alors lui, je pense... Ah ben, s'il va là, ça veut dire que lui n'est pas le bon non plus. Ben dis donc, hein, j'en fais des bêtises, moi. On va essayer de pas détruire la pièce. Hein. Donc lui, voilà. Voilà. Même jusqu'au bout, on fait des petites erreurs. Et oui, là... Là, on a une arme. Alors, si jamais je me souviens bien, tatatap, on est là. Voilà. On est terminé. On enlève. On remet à plat. N'est-ce pas? Là, il me reste cela. Hop. Mais c'est pareil. Hein, bon, je pense que on va aller vite aller trouver. Hein. Il n'y a pas 36 000 solutions. Quoi que je dis ça et je suis encore capable de faire des bêtises. Allez, go. Là, c'est pas là. Bon, c'est pas grave, après. No stress, no stress, no stress. Là. On n'y est pas. J'ai peut-être pas pris forcément le bon. Là, peut-être. Voilà, on cherche, on trouve, on trouve pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, toutes les pièces seront placées. Donc, à partir de là, à partir du moment où on se dit que les pièces ont tous un... Voilà. C'est pas grave, on les laisse de côté. Elles vont bien se placer toutes seules. Enfin, toutes seules. Façon de parler, bien évidemment. Allez. On continue avec les trois côtés. Et ben, les trois côés, je pense qu'ils vont aller vite à placer. Hein. Là, je dis ça et la première chose que je fais, j'arrive même pas à le placer. Allez, c'est pas grave. Là, on a un petit gris, donc lui, il va aller là. Lui, c'était celui qui tirait. Je pense que vous avez reconnu là. Sinon, dites-le moi et je vous le dirai. Mais je pense que ça parle de... J'aime bien ces petites allusions, ces petits... enfin voilà, ces petits trucs. C'est vraiment... J'adore. Voilà, vous voyez, ça va tout seul. Hein. Là, il faut juste que je... Ah, lui, il est là. Voilà. On remet à plat l'avant-dernier. Et l'autre, ben, l'autre était vide. Et voilà, comme ça. Et on est parti. Là, on a des petits pieds. On a des petits pieds, si on a des petits pieds. Non. Non. Non, non, Joël, tu n'es pas au bon endroit. Et voilà. Là, on est là. Bah non, bah non, bah non, voyons, voyons, voyons. Là, on est d'accord, c'est pas là. Peut-être là, non. Peut-être là, non. Et bon, bah, oh, bah si, voilà. J'allais dire, quand même. Il faut quand même que... Moi, j'étais persuadée que ça aurait été là, mais bon, apparemment. Est-ce qu'on n'aurait pas... Ah, mais si, mais si. Vous auriez pu me le dire, quand même. Hein.
là là. Allez, avant-dernière, et voilà, j'ai fini le puzzle de My Boozle avec vous. Oups, je vous montre en intégralité, hein. On va pas, je vous tourne comme ça, on va essayer de, non, bah, tout compte fait, on va pas tant monter que ça. Voilà, je vous mets, regardez-moi ça, le haut. Voilà, haut. On va réduire un peu. Comme ça, vous pourrez voir d'un peu plus près. Espace de commentaires, le Hollywood. Il est magnifique. Je vous remets, je vous positionne parce que c'est pas fini. Il y avait, si vous vous souvenez bien, quand j'ai fait le unboxing dans ce sachet là. En plus du magazine, il y avait une enveloppe. On va la découvrir ensemble parce que bon, l'indication étant de l'ouvrir à la fin. Voilà. Il disait bien, ouvrez-moi quand vous avez terminé le puzzle. Donc, c'est ce qu'on va faire, hein, ensemble. Voilà. Alors, vous avez terminé le puzzle Hollywood Gone Wrong. Cool, mais avez-vous trouvé toutes les références au monde merveilleux du cinéma? Donc, avec le, pour vous aider, nous avons créé une page qui les recense tous. Scannez le QR code et copiez. Ah, génial. Nickel. Comme ça, je vais pouvoir faire le point sur ceux que j'ai pas trouvé. C'est nickel. Dans tous les cas, bah, j'ai beaucoup aimé le faire. Oh, l'enveloppe, elle est belle. Regardez-moi ça. J'adore. J'ai beaucoup aimé le faire. Je vais aller... enfin, je vais acheter là sur Amazon du double face pour l'en coller parce que j'ai pas envie de l'enlever. Et elle ira dans ma pochette avec tous les autres puzzles que j'ai fait. Et bah voilà. Sur ce, bah écoutez, moi je vous, si jamais la box vous intéresse, je vous remets le lien en barre d'infos. Je voilà. Et n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce puzzle. Si jamais vous avez trouvé des allusions à certains films que moi j'ai peut-être pas, que je vous ai peut-être pas indiqué. Et là, j'ai retrouvé hein, lui. On est sur Shrek. Voilà. Je vous avais dit que j'allais le trop trouver. Bon, il y a juste le nom du méchant des Gardiens de la Galaxie où là, j'ai pas trouvé. Bon, après, on a vu E.T. là. E.T. Voilà. Et là, je sais pas si jamais vous avez connu, mais Chéri, fais-moi peur. Et après, il y en a d'autres, hein, certainement. Hein. Mais bon, j'ai pas encore tout trouvé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé des choses que moi j'ai pas trouvé relayant à des films d'Hollywood, des dessins animés ou autres. Ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous là-dessus. Sur ce, ben, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu parce que ça sort un peu de ce que je fais habituellement puisque je suis que sur du diamond painting, mais j'ai beaucoup aimé faire ça en votre compagnie, vous montrer ce qu'il en était, le début, l'avancée, la fin, bref, dites-moi en commentaire si jamais vous avez aimé. Ça se passe en dessous de cette vidéo et moi, je vous attends pour papoter et échanger. Allez, à plus tard mes papillons. Ciao, ciao.